Je veux qu'au Maroc, que chaque personne, même en situation de handicap, qu'elle se sente normale. L'idée est venue d'une jumia qui a duré 3 ans. La jumia est une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, c'est celle de l'ouïe. J'ai un bras qui a été touché au cerveau, le mardien. Et du coup, elle a été le nerf limbrius, qui a été la motricité, donc les gens qui ont été touchés. Ou la jumia a dit, en fait, j'aime bien marcher, j'aime bien courir, les bras, j'aime bien la corniche. C'est le mardien, c'est que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Salle de sport au Maroc, les gens qui ont des handicaps, ils peuvent aller à la salle de sport. J'ai fait mon étude de marché et puis en fait, à un certain moment, on va lancer une salle de sport qui non seulement à disponible pour ces personnes-là, mais pour jamais. Et j'ai un qui est vraiment très sportif, très athlète. Il me lui dire le sport dialogue parce qu'il y a toutes les machines qui ont les autres salles. Et en même temps, on a des adaptations. Il y a même des gens qui ont quelques petits soucis de santé. En fait, qui se sentent à l'aise parce qu'il y a les coachs qui font les exercices et qu'il y ait des machines les adaptées pour des exercices. Les machines que j'utilise le plus, c'est le marcheur. Donc parmi les machines adaptées, il y a la salle, qui est le tapis de marche, qui est adapté aux personnes aux besoins physiques spécifiques. Un tapis, il est la vitesse de l'oukhlila, donc c'est pas là, il y a la limite de la il y a le tapis adapté, qui est le tapis de gens qui sont dans les autres salles. Et du coup, il y a un tapis qui est à 10 km/h au Srpan, ou à 1,5 km au Srpan, parce que c'est une première fois qu'il refait l'exercice. Et c'est ça ce qui est génial, c'est que l'effort il est différent, l'intensité est différente, mais la fatigue est la même et le plaisir est le même. L'impact, vraiment, c'est en dehors de la salle de sport. C'est l'inclusion sociale au Maroc. Je veux qu'en fait, au Maroc, que chaque personne, en fait, même en situation de handicap, qu'elle se sente normale. Moi, j'ai attaqué à travers le sport, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être l'emploi, ça peut être l'art, ça peut être pas mal de choses. C'est juste qu'en fait, moi, j'adore le sport et j'ai focalisé sur le sport. Non, en fait, on ne sait pas comment ça va évoluer, ça. En fait, on ne va pas changer la médecine, on ne va pas changer les choses, mais c'est juste qu'on voit les sourires, on voit des gens motivés qui sentent en fait un peu plus leurs muscles travailler. Et il y a le contact humain, il y a le contact social. Et en fait, ça change du kiné parce que là, en fait, on est en complément avec le kiné. Les kinés font le travail en premier, là, on vient en deuxième lieu. Et après, Inch'Allah, il se brasse bien, il y a les salles de sport. We love this. We love this. We love this.